Allez, salut tout le monde, c'est MaxicamFR, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo avec Titan, salut! Salut! Et aujourd'hui nous sommes sur les chassés pour continuer, ou plutôt pour réellement commencer la carrière en mode tranquille, un petit peu pour l'instant. All the Sun, on essaie vraiment de rester en mode roleplay, sauf les deux dernières minutes où on parle un petit peu. Mais là, bah, on y va carrément en mode tranquille. On profite un petit peu. Hop. Donc là, on est parti ramasser les betteraves. Bon, il y a quand même quelques petits éléments qu'on a rajoutés, du genre le camion de la coopérative qui est garé au bord de la route pour qu'on puisse venir vider les betteraves. J'ai changé le Puma 240 pour un Puma Platinum parce que, bah voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai un Puma déjà classique sur l'autre. Donc je vais prendre un Puma Platinum, ce sera mieux. Alors j'arrive. Où est-ce qu'il y a une entrée? Là. Pour les ridelles, je sais plus comment on ouvre en ferme. Comme ça. Mince, j'ai la porte qui est ouverte derrière. Qu'est-ce qu'elle fait ouverte celle-là? Voilà, elle a rien à faire ouverte. Donc transborder, 2 heures exprès pour les patates et les betteraves. Hop, après on va vider en roulant si tu veux. Là on va vider la suite en roulant après si tu veux. Le tapis il est bien déplié ou pas? Ah oui, oui. Ah ouais, bah alors moi mon gars ça a rien à voir. Ah bon? On vous informe quand même que nous avons un petit problème de serveur. Oui, aujourd'hui ça bug. On a une surcharge sur le serveur, ils sont en train de faire la maintenance, donc ça lag un peu. Non mais moi c'est marrant, il faut quand même que je prenne une photo. Bon vas-y, prends, tu me l'enverras à la fin. Bah d'ailleurs bouge pas, je te fais la miniature en même temps, t'es. Oui. Tant qu'à faire, allez. Attends, je vais quand même mettre les gyros. Voilà. Oh, il y a un klaxon de merde là-dessus, ils ont pas osé quand même. Sinon globalement il est beau, j'aime bien. En noir ça rend bien. C'est bon, tu peux y aller, le photographe est passé. Allez go. Donc je vais aller essayer de vider dans le camion, c'est la première fois que je m'en sers de ce transborder. Hop. C'est un transborder ça. Ouais, c'est un transborder à betterave. En gros pour patates et betterave. Alors faut que je recule la queue du camion là. Sur le côté. Faut que j'essaie de reculer perpendiculaire, mais comme c'est une route qui tourne, c'est un peu la galère. Hop. Ah bah ma foi, je m'en tire pas trop mal. Hop. Je remettrai le header après. Donc déplier, non ça c'est pour déplier l'échelle, donc on s'en fout. Ensuite la caméra, ouais je veux bien. Excusez-moi, vous voulez le mode d'emploi? Ouais je pense, ouais. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Voilà, je la lève. Ensuite, ça c'est la ridelle, donc non. Là on va monter, enfin baisser plutôt la flèche à fond. Non, justement, on va la monter à fond, comme ça, ça lève un max l'arrière. Et on va reculer encore un peu. Ah, je suis pas mis terrible. J'essaie de me reculer un petit peu mieux. Là, je suis bien. Encore un petit peu et je serai impeccable. Voilà, là je suis bien, donc maintenant en principe j'ouvre avec le bouton bis. Ah oui d'accord, je suis même trop reculé en fait. Voilà, là je suis bien. Ah bah c'est pas mal tout ça, franchement. J'aime bien. Ça vide vachement vite, mais j'aime bien. Hop, pour la peine on va en refaire une autre. Tu vas voir pourquoi c'est un transborder, je te la laisse lever. Le temps que j'arrive, je la refermerai après. Ouf. Par contre, faut pas avoir des arbres trop. Ah oui, d'accord.
Je l'ai compris. Ouais, c'est bon, tu vois. Ouais, c'est un tapis ben quoi. Ouais, c'est ça. C'est à fond mouvant. Bon, je vais la replier. Et puis on va vider en roulant. Dans l'autre sens, oui, de toute façon. Tu repars vers où? Vers moi, là? Ouais, j'arrive. Ok. Bon, je fais demi-tour. Bah non, tu repartiras de là où t'es, parce que sinon on va pas pouvoir vider. Parce que le tapis sera pas du bon côté. Et alors? Et alors, je sais très bien qu'on n'est pas en roleplay, mais il y a des limites. On fait du 3-6! Bah, tout ça à sert fait. À ça, bouge pas! Ah, bouge pas! Hop! Allez! Hop! Ah bah oui, bah dans ah, le loupé. Désolé, mais je lag un peu, donc c'est pas très très pratique. Ah, aujourd'hui, il y a une mise à jour serveur ou quoi, et puis ça lag un petit peu. Vas-y, roule. Roule, avance, avance, avance. Attends, je me mets en linge. Hop. Putain de pédale. Je croyais avoir la repa sur le serveur, mais il y a des mods qui se sont désactivés. Alors pourquoi, comment, je sais oh, pas. Ça, il a dû pas être transféré quand on a mis le pacasse de mod. Oui, il s'est mal transféré, donc du coup je remettrai la mise à jour. Pour ceux qui ne le savent pas, il y aura un DLC Holmer bientôt, donc bah, bien sûr je prendrai l'arracheuse à betterave qui est dessus. Bon, je reviendrai quand ce sera plein, je vais la laisser au bout là-bas. Voilà. Je vais la laisser là et on va passer au tracteur suivant. Je vais peut-être te gêner là un peu. Au mieux que je me mette dans le chemin. Je vais faire demi-tour dans le champ du voisin. Il m'excusera. Ouais, tu peux, y a que des mauvaises herbes. Oui, y a rien dedans. Hop, voilà, je le laisse là. Alors, tiens, on va poser la question à tous nos petits abonnés là. On a projet de faire une nouvelle carrière roleplay. Ouais. On vous dit pas qu'est-ce qu'on va faire, parce que on sait toujours pas. C'est ça. Mais une petite question à la con. Sur quelle map vous aimeriez qu'on fasse du roleplay? Faisons comme un sondage. Ouais. Parce que à chaque fois on choisit des maps, mais ça plaît pas. Ça plaît pas forcément. C'est pas facile de trouver une map qui vous plaît, donc. Donc proposer. Voilà, s'il y en a une qui vous plaît, une map que vous trouvez intéressante ou que vous aimez bien, dites-le nous et on essaiera de. Voilà, de on dessus. Vous réserve. T'as qu'à faire. Nouvelle intro. Oui. Nouveau système de montage. Bon, ça prendra du temps, mais. Si vous nous mettez des maps dans les commentaires seulement. Voilà. Bien sûr. Nouveau système de montage dans les vidéos et tout ça c'est étudié, on va essayer de vous en foutre plein la gueule. Par contre, si vous mettez pas de commentaires, il y en aura pas. Donc voilà. faut lâcher des petits commentaires. Qu'est-ce que tu nous fais avec ton truc là? Bah je vais mettre du lisier. Mexicam FR en classe. Oh là. Ouais, je sais, c'est pas normal. Bah ouais, mais en même temps, chez Kaz, ils ont pas encore inventé le Xerion. Bah ils ont inventé le Quad Track, c'est bien mieux. Ouais, le Quad Track, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est vrai. C'est pas pareil. Alors, le Quad Track, c'est plus un enjambeur qu'un multiporteur. On va dire. Bah c'est vraiment pour faire de la traction, quoi. C'est sûr, c'est pas fait pour. C'est pas un porteur. Contrairement au Xerion. Ça te fait n'importe quoi et en plus ça tracte. Ça, c'est bon. Ouais, à condition d'avoir le camion atelier pas loin. Oh, de suite. Oh, c'est des bons moteurs, c'est des bonnes boîtes. C'est comme les John Deere là qui se sont mis avec les. Je sais plus, je crois que c'est des RX ou quoi. À faire la même chose que les quad track, ça me fait doucement rigoler quoi. Parce que c'est un concept qui a été déjà pris à côté, c'est comme les autres marques qui font des axiales, ça me fait doucement rigoler aussi. Qu'est-ce que tu veux, c'est la technologie.
Ça prouve bien que quelque part ils ont eu raison de faire ça quoi. Enfin après vous pensez ce que vous voulez, hein, chacun leur marque. Moi ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis case à fond. J'ai absolument rien contre Klaas, contre Deutz, contre Nyland, contre toutes les autres marques. J'ai rien contre, hein, j'ai jamais dit le contraire. Mais c'est juste que bah, je préfère Klaas quand même. Mais en vrai j'ai d'autres tracteurs, hein, j'ai des Klaas, j'ai un Deutz. J'ai pas que du CAS non plus. Bon, en même temps, hein, si tu regardes bien, t'as à peu près les mêmes choses dans tous les tracteurs. Hein. Oui, globalement, c'est vrai que maintenant. Tu prends les pneus, que ce soit un tracteur ou un autre, ils ont à peu près le même style de pneus. Bah, les pneus, c'est normal. Les filtres à huile aussi, hein. Les filtres à huile. Que ce soit air, des pareil. Michelin, des Kléber, des. Enfin, Michelin et Kléber, de toute façon, c'est la même chose. Enfin, des pneus, ça reste des pneus, quoi. Merde, y'en a plus. Voilà. Et de la ferraille, ça reste de la ferraille. C'est sûr, après, bon, c'est l'équipement intérieur qui change, et puis, bah, chacun a ses marques préférées, hein. Ça, y a pas photo. Moi, je kiffe le Xereon, mais c'est pas pour ça qu'en fait, j'aime pas les autres. Voilà, mais moi, c'est pareil, j'adore les cases, mais, bon, il y a certaines marques que j'aime pas quand même, parce que, bon, de concept, et puis, par rapport à la puissance et tout ça, j'aime pas forcément. Après, il y en a certains qui vont dire Nyland et CAS, c'est pareil. Je suis en partie d'accord avec vous, pas entièrement, mais en partie. Parce qu'il y a quand même quelques petites différences dans les gammes, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses pareilles. Mais si vous me proposez un Nyland ou un CAS, je vais forcément prendre un CAS, ça c'est sûr. Il n'y a pas photo. Bah, moi je prends un CAS et je le peins en bleu. Ça change rien, de toute façon. Non, chaque marque a ses atouts. Ça, c'est sûr. J'arrive même plus à parler. Chaque marque a ses atouts et ses inconvénients. Ça, c'est vrai. Il n'y a aucune marque parfaite. Ça n'existe pas. La ferraille n'est pas parfaite. Sinon, on aurait des tracteurs en or. Voilà, c'est ça. C'est sûr, il y en a qui sont bien. Mais il y a toujours des défauts à trouver, et comme il y a des choses qui sont vachement bien. De toute façon, c'est pas compliqué. Généralement, ceux qui critiquent les autres marques, c'est qu'ils ont eu. Alors, soit qu'ils y connaissent rien, soit qu'ils ont eu une série de tracteurs qui avaient des défauts, ou qui étaient pas finis, ou j'en sais rien. Et depuis, ben, ils catégorisent. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est ça. Voilà. Même moi je le reconnais parfois, je dis, bon, c'est bien sûr, ça, c'est de l'humour quand même. Je dis, Fen, c'est de la merde, mais. C'est juste parce qu'une fois j'en ai eu un, j'ai passé au banc de puissance et enfin il était 20 chevaux en dessous quoi, donc enfin on le sait, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est bon, tu sais que t'achètes 15 chevaux en dessous de la puissance annoncée quoi. Après ça dépend, tu aurais dû comparer avec un autre dans la même série, si c'était le cas sur 10, là ouais, ça se trouve il était mal rodé. Enfin j'ai comparé sur 3 hein, quand même, donc et les trois étaient minimum 10 chevaux en dessous. Bon, mais ça on le sait, même on prend chez CAS, parce que bon, ben moi j'ai vu la différence. Avant j'avais un 50 et un 50, après j'ai eu un MX 150 et un MX 170. Et maintenant j'ai un Puma 195. Bon, Puma 195, on voit qu'il est un peu plus puissant. Et là je vais avoir un Puma 200 d'ici un mois. Bon, on voit que les Pumas sont un peu plus puissants, mais entre le 51-50 et le MX-170, honnêtement, j'ai pas vu la différence de puissance. Puis même chez CAS, les boîtes Vario, c'est reconnu, ça bouffe de la puissance. Ça, y a pas photo. C'est comme ça dans toutes les marques, pas que chez Fendt. Ça, je peux pas dire le contraire. Après, Fendt, ils font des bons tracteurs. Oui, mais non, ça, c'est sûr. Il y a de la merde. Voilà, il y a des trucs, c'est nul. Au niveau moi je dis par rapport au niveau empattement, enfin un tracteur pour que ça tire, il n'y a pas trop de secret, hein. Faut du poids et de l'empattement, ça et chez Fen il n'y a pas trop le poids, bon ils mettent des masses de roues, après chacun ses techniques, et il y en a qui ont besoin de tracteurs compacts, ça dépend des besoins aussi, hein. Ça peut être de la merde par rapport à ce qu'on veut faire. Mais ça dépend vraiment des besoins. Après, c'est pareil, hein.
comment tu utilises ton tracteur, tu as le résultat Parce que au par exemple, final. pour quand tu fais beaucoup de route, oui, il vaut mieux prendre un fen avec une boîte vario qu'un CAS avec une. Bon, maintenant avec les full power shift, il y a moyen. Mais vaut mieux ça plutôt que de prendre un tracteur avec une boîte manuelle. Même si maintenant c'est de plus en plus rare. Ça, Oui. c'est vrai, je vous l'accorde. C'est comme tout, ouais. Mais ça dépend vraiment des besoins. Parce que j'en entends dire, ouais, non, ça c'est de la merde. Même moi, parfois, je le dis en vidéo, mais pour rigoler. Non, c'est. Enfin, c'est pas vrai, quoi. C'est. C'est comme tout, ouais. Chaque pays aussi a ses marques. Nous, c'est vrai qu'on a un peu de tout, mais tout dépend de l'utilisation. C'est Tu ça. prends mon père, là, il vient d'avoir un T4. Avant, ils avaient des TNF, des versions fruitières, Ouais. avec le Super Steer. C'était nickel. Là, ils sont passés au T4. Au T4, ouais, mais écoute, c'est de la merde. Le TNF était nickel. Le T4, c'est de la merde. Et résultat final, une saison, une boîte en vrac, de la limaille de partout, au fond du Ouais, c'est carter. ça, mais ça c'est pareil dans toutes les marques, hein. Moi je vois. Bon, allez, ça va vous étonner, mais je vais critiquer CAS. Moi sur l'ancien Magnum que j'avais, donc c'était un 225, il y a. Oh, ça fait un petit moment maintenant. Bah, le pont avant, bah, il a complètement fondu en fait. C'était de la merde. Ça, c'est vrai, mais bon, ça dépend des séries. C'est pas vrai pour tous les tracteurs. Voilà. C'est. Il y en a qui généralisent tout pour n'importe quelle marque. Il y en a, ils sont fans de John Et Deere, et on John a Deere tous aussi ont des tendance à le défauts. faire, ça c'est sûr. Il y en a qui sont à fond de John Deere, ouais c'est super, il n'y a pas de défaut, bah si, il y en a. Hein. Il Surtout y en a. l'ancienne série 7R, c'était pas terrible. Autant les 6R, j'avoue que bon ils sont bien, ils sont chers, ça c'est sûr, ils sont beaucoup plus chers que les autres. Mais oui, c'est vrai, ils sont bien. Mais par contre, ouais, les anciennes séries 7R, j'en ai vu pas mal à revendre à 500 heures ou quoi, qui étaient en panne. Alors qu'il y en a certains qui vont me dire, mais non, non, ils marchaient très bien. Bah oui, ça dépend des séries. Il y a eu une série où ils étaient pas bons. Bon, je pense qu'on va arrêter de débattre là-dessus. Je pense que. Ouais, bon après, voilà. On en Il a faut assez. tout pour faire un monde. Voilà, c'est ça. Il faut toutes les marques pour faire vivre un marché, et puis ça dépend vraiment des besoins et de chacun. Faites aussi un petit débat vite fait. Enfin, débat, pas débat, mais vous êtes tous de régions différentes, plus ou moins. Dites quel type de tracteur il y a dans vos régions en priorité, quoi. Ouais. Pas Est-ce au cas que par c'est de la cas. grosse puissance, la petite puissance, principalement quelle marque? Chez moi, franchement, il y a vraiment de tout. Hein. Moi, honnêtement, vous voulez que je vous dise, il y a principalement du Neyoland et du Renault. Bah, Après, moi, il y a je de veux tout. Hein. dire, il n'y C'est. a pas beaucoup. Je suis dans le Lot-et-Garonne, s'il y en a qui sont du coin. Après, il y a vraiment de tout, quoi. Principalement du Neyoland. Ouais. Ça, j'en ai partout, pratiquement dans toutes les fermes. Si, mon voisin, hein, du John Deere, mais Chez c'est. moi, il y a pas énormément de Deutz, ni de Valtra. Nous, on a du Fendt, mais des petits. Du Fendt, nous, on en a, mais des gros surtout. Donc voilà, ça dépend. Dites-nous dans les commentaires, donc ça, et puis pour la map. Franchement, ça nous ferait vraiment plaisir. On les lira dans la prochaine vidéo, c'est promis. Si j'y repense, mais je vais essayer vraiment d'y penser. Sur ce, j'espère quand même que ça vous aura plu. Lâchez donc un petit commentaire là-dessus. Et puis surtout sur la map, n'oubliez pas. Et puis mettez un petit pouce bleu parce que ça nous fait aussi super plaisir quand il y en a. Et puis donc on se retrouve bientôt. Allez, salut tout le monde! Tchuss!